Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'explorateur de fichiers et nous allons voir comment organiser le classement de nos fichiers qui se trouvent déjà sur notre ordinateur. Pour cela, je vous laisse ouvrir l'explorateur de fichiers. Je vais me rendre dans Téléchargement et je remarque que j'ai deux dossiers. Si j'ouvre mon bazar, j'ai des documents de texte, des images et de la musique que je vais devoir venir ranger dans mon dossier documents, images et musique de l'ordinateur. Pour cela, nous allons commencer par couper notre écran en deux pour simplifier les manipulations. Première solution, je vais attraper la barre de titre qui se trouve tout en haut de ma fenêtre. Je clique, je reste appuyé. Et je vais faire sortir la fenêtre sur le côté gauche de mon écran. Il va falloir que ma souris touche le bord gauche de l'écran et quand elle va rentrer en contact avec, vous avez cette transparence qui apparaît. Je peux lâcher ma souris. Ma fenêtre occupe bien la moitié de l'écran. Autre solution, ça va être avec le clavier. Je peux appuyer sur la touche Windows du clavier. La touche Windows, elle se trouve en bas à gauche de votre clavier et c'est celle qui est constituée de quatre petits carrés blancs. C'est le même symbole que le symbole de votre menu démarrer. J'appuie sur cette touche, je reste appuyé et je veux venir appuyer sur la flèche de direction qui va vers la gauche. J'appuie, ma fenêtre s'est directement mise sur la moitié gauche de l'écran. Je vais maintenant faire apparaître la fenêtre, une autre fenêtre de l'explorateur de fichiers où je vais ouvrir mon dossier document. Pour cela, je vais faire un clic droit sur l'explorateur de fichiers. Je clique sur explorateur de fichiers cette fois-ci avec le bouton gauche de la souris. Et une seconde fenêtre apparaît. Je vais ouvrir document et je peux mettre cette fenêtre sur la partie droite. Donc de la même manière, soit en cliquant sur la barre de titre, je reste appuyé et je glisse ma fenêtre pour qu'elle touche le bord droit de l'écran, je lâche, ou bien en appuyant sur la touche Windows et la flèche de direction qui va vers la droite. J'ai partagé mon écran en deux. À gauche, j'ai les fichiers que je dois ranger. À droite, j'ai l'endroit où je vais venir ranger ces fichiers. Un élément auquel vous devez être très attentif, ça va être la barre d'adresse. Là, vous voyez que ça vous indique que je suis bien sur ce PC, Documents. Sur la fenêtre de gauche, je suis sur ce PC, Téléchargement, à l'intérieur de mon dossier, Mon Bazar. Soyez toujours attentif à ce qui est indiqué dans les barres d'adresse, ça vous évitera énormément d'erreurs. Nous en avons terminé sur le partage de nos écrans en vue du classement de nos dossiers. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer des dossiers et comment ranger les fichiers de Mon Bazar et de Images à classer au bon endroit sur notre ordinateur. Je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.